Go down, go down, down, go down. Ça la tient. Bon, dernier. Général. Montagnier. Immobile. Au sol. Montier. Armée. Armée dans la main, général. Armée. Et ça vous le monde est né pour la mission. Un
jour spécial, un jour de joie. Mon collègue Moukesseni, mon collègue Sengon. Nous avons donné 27 pasteurs. Le 1er mai, à Mobu Oyo, Tobuli Saki Bongo, Papa Teni Pate, tout le monde va aller à Sambo. Et le 31 juillet, nous avons donné 44 pasteurs dans cette église. Le Baki Kobuli s'appelle Jésus, Papa Teni Pate, tout le monde va aller à l'église à Oyo. Et au total, dans l'église de la louange, c'est plus de 610 pasteurs en 28 ans. C'est bon pour la nuit sur le gouvernement, papa, qui est pas de la copie, comme à mon tour, C'est vraiment une grande joie pour nous. Les alliés, c'est comme on est, les bons abyssos. Parce que nous sommes une église des serviteurs. Pour nos alliés ecclésiens, il y a Bassali. Et nous n'avons pas encore fini d'ordonner ses serviteurs dans cette église. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Et surtout d'avoir parmi nous un homme. Un homme de Dieu. Qui a cru en notre ministère. Lorsque nous étions petits. Et les gens se posaient la question, c'est de savoir, sortira-t-il quelque chose de bon de ce ministère? Et c'est lui qui nous apportera la parole ce matin. Il est à côté de la mission de Malanzambé, tout le monde allait là. Et nous aurons encore le temps que vous le présentez. Mais nous allons tout le temps pour apporter des sabinoyers. Je voudrais rappeler que c'est une célébration. La nuit qu'on peut nous l'arrêter et la nuit qu'on peut nous l'enseigner. C'est comme si c'était ton mariage. Et là, le monde a beaucoup s'aimé la mongole à l'Iban à l'aïe. Le mariage avec Dieu est une grande célébration. Merci à vous, homme de Dieu, qui êtes venu nous accompagner. Merci aux différentes familles qui sont là. Que Dieu te abençoe. Circoncis. Le coup d'un, à la tête, pour 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 la tête,
Timothée devint mon canaille est écrite pour les jeunes pasteurs. Et comment conseil et exhortation à un jeune pasteur. Au sujet de sa conduite personnelle et de son ministère. Le premier point de ce message qui sera court. Paul dit, sois un modèle. C'est l'une des qualifications de soit un exemple. Dans le même et un exemple pour qui? Nakisa pour la nani. Paul dit un modèle pour le fidèle. Le pasteur doit être un modèle et un exemple pour le fidèle. Et nous verrons plus tard, Paul dit non seulement pour le fidèle, mais aussi un modèle. Un exemple, une référence pour ces convertis, les gens qui vous regardent, comment devenir modèle, comment devenir un exemple pour les autres. Pour dire il faut, il n'y a pas de choix. Une œuvre excellente être pasteur. Mon salam à l'âme pour la bombe à pâtée. Mais une œuvre très difficile. Parce que mon salam est à passer. Parce que c'est le travail de Dieu. Pour tes amis, mon salam est à faire. Tous ceux qui sont femmes pasteurs aujourd'hui. On a pas eu de passer, papa, t'es pâté. Il faut que la femme pasteur. Et c'est gagné, t'es moi si mon bâti soit épouse d'un seul mari. Aza la paix, moi si à mon bâti mon corps. Une épouse fidèle. Moi si mon yé que béné. Si c'est un mari. Il est mieux voir sa femme. Et si c'est la femme, elle est dévouée à son mari. C'est la Bible qui condamne. C'est l'amour d'argent. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne travaillent que pour cet amour d'argent. Troisièmement, l'orgueil. Je parle à une assemblée chrétienne ce matin. Marie, une seule femme. Sombre. Pasteur doit savoir prêcher. Exhorter et enseigner les autres. Ni à donner au vin. Ni violent. Chez lui, il ne peut pas être violent. Il est violent dans sa maison. Contrairement, c'est un homme calme. Il a la douceur. Il est indulgent. Aimable, bienveillant et prêt à accorder son pardon en cas de manquement. Il est pacifique. Personne paisible, pas spirituel. Ceux qui m'ont servi pas de l'impact, l'église est bloquée. Le tout mon père et nous les femmes qui seront consacrées, on n'a pas sur la c'est la même chose pour vos maris. Les vos maris ne sont pas spirituels. Ceux qui ne mettent pas ne sont pas des hommes de prière. Pas de sainteté. Le ministère est aussi bloqué. Le tout mon père nous connaît quand même. Enfin. Une bonne réputation. Sango Malam. Une bonne réputation. Sango Malam. Il est digne de notre silence. Voilà, nous voulons rapidement passer à la seconde partie dédiée à ce culte, la partie dédiée à la consécration ou à l'ordination. Merci, respectueusement. Comment vous présenter les différents candidats, leur nom, leur âge, leur ancienneté dans les mots. Nous vous dirons ensuite quelle est notre confession de foi. La confession des fois des différents candidats. Et enfin, nous allons procéder à l'engagement des candidats pasteurs. Et
la prière de consécration sera ou va clôturer ces différents moments. Nous vous avons dit que nous avons 68 pasteurs. Le plus âgé a 75 ans. Et le plus jeune a 36 ans. Aidez-moi à acclamer le Seigneur notre Dieu. 75 ans, 12 ans d'ancienneté à l'église La Louange, marié à Madame Mawete Jacqueline. Il n'y a pas d'âge pour adorer les Seigneurs. Ok. Acclamons le Seigneur, mon capitaine. Niveau tome 5. Le frère Chibangu Kabwe Didier, tome 8. Le frère Passi Damas Gislin, il est général du corps d'armée. Valérie, qui est colonel maintenant. Colonel maintenant, merci. Oui. Merci. Mes frères, croyez-vous que Dieu a appelé tous ceux que nous avons nominés et leurs épouses à son service? Vous le croyez? Croyez-vous que leur façon d'agir est digne des serviteurs de Dieu dans notre Église? Croyez-vous que leurs enseignements sont conformes à ce que dit la Bible? Oui, par la grâce de Dieu. Promettez-vous de les soutenir spirituellement, matériellement et financièrement? Oui, par la grâce de Dieu. Si vous acceptez tout ceci, acclamez le nom du Seigneur Dieu. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et puis, il verset, la communion des saints.
C'est à son Église que le Christ a confié cette mission de génération en génération. Il donne des serviteurs et servantes pour l'accomplir. Il a appelé nos frères et sœurs ici présents à la charge particulière de pasteur. L'Église reconnaît leur vocation et s'est réjouie de leur appel. Elle met ses hommes et ses femmes à part pour les servir de l'Évangile et elle intercède pour eux et pour elles. Nous allons donc les ordonner au ministère pastoral par la prière et par l'imposition des mains. Ils acceptent cette charge pour toute leur vie s'ils la sont déchargés légitimement pour de bonnes et sérieuses raisons. Que vous avez reçu vocation de Dieu et que vous avez été, mes frères et sœurs, voulez-vous, dans la prédication, dans l'administration des sacrements, dans toute votre tâche pastorale, vous confirmer ou conformer à l'Écriture sainte pour amener toute personne à la plénitude de la vie en Christ. Vous qui par vocation devez être un exemple à la communauté et qui êtes chargé de nourrir les autres par la parole de Dieu, voulez-vous vous soumettre à une discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne? Vous rappelons que Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Voulez-vous être, par amour pour lui, le serviteur de vos frères et sœurs, quelles que soient leurs conditions, leur origine? Oui, je le veux. Oh, l'Église n'a pas entendu. Oui, je le veux. On n'a pas bien entendu. Quelle que soit l'offense commise contre Dieu et contre vous, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs, vous qui êtes désormais associés à nos travaux, nous sommes ouvriers avec Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce qu'accompagne le service est écrit, vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai votre père, je bénirai vos enfants. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et j'augmenterai le nombre des années de votre vie. Qu'il en soit ainsi. Nous allons assister à l'entrée du couple pastoral. Après leur installation, nous suivrons une courte prière qui sera dite par l'aumônier protestant, le révérend Dengidila. Après la prière, nous allons vous présenter le révérend pasteur général de brigade Elumba. Après sa présentation, viendra la séquence de la remise de cadeaux. Après, les cadres vont se déplacer table après table pour la prise de la photo souvenir. Thank you.
Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de grâce, qui a cru, qui pouvait s'imaginer que un jour le général Elouba sera compté parmi les serviteurs de Dieu. Même son père ou sa mère, ses frères, sa femme, ses amis, ses collègues, tu l'as prédestiné et tu l'as oint. Aujourd'hui, ça, c'est une confirmation de ta part. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom précieux. Amen. Amen. Et vous le présenter cet après-midi pour que vous puissiez encore mieux les connaître. Qui est celui qui est à l'honneur cet après-midi? Koumou Ghislaine Myriam Roger. C'est un officier militaire des forces armées de la République démocratique du Congo qui a le grade de général de brigade. Il est fils du général de brigade à la retraite Elouba, qui nous a déjà malheureusement quittés. Et je vais devoir demander à l'Assemblée se tenir debout pour observer une minute de silence en mémoire de son papa. Merci, veuillez vous asseoir. Et de maman Mbumba Moseka et Boulou Hélène, qui est encore en vie. Le révérend Elouba est originaire de la province de la Mongala. Mongala qui est une province issue du démembrement du Grand Équateur de l'époque. District de Bumba, territoire de Monzamboli, collectivité de Yakoleka, Yalokela, excusez-moi, localité ou village de Yakolo. Il est de la tribu de Boudja. Il a été incorporé au sein des forces armées le 25 septembre 1988. Lui-même est né à Kinshasa le 19 octobre 1964. Quelles sont les formations qu'il a suivies? Il a fait l'école de formation des officiers de Kananga, l'actuelle académie militaire, où il a suivi ses premières formations, sa première formation dans l'armée. Il est de la 19e promotion et de la deuxième session spéciale de 1988 à 1989. Après sa formation, il a obtenu le diplôme de graduat en sciences sociales et militaires. Après l'école de formation des officiers, au grade de sous-lieutenant, il a été envoyé à l'école logistique des forces armées aïroises de l'époque, actuelle forces armées de la République démocratique du Congo, où il a fait le cours de perfectionnement de sous-lieutenant de la 7e promotion, où il a décroché un brevet d'officier de transport. Après, il a exercé beaucoup de fonctions, mais il a fini par faire la 3e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et des défenses, cadre qui nous accueille ce jour, où il a réussi avec mention, distinction, les diplômes de stratégie et de défense. Là, nous sommes en novembre 2017, jusqu'au mois d'août. Il a été à l'école royale militaire de Belgique, RM. Il est de la 32e session, de 2009 à 2010. Où il a eu le brevet supérieur d'administrateur militaire, BAM, et le master en arts, administration publique et militaire. Il a suivi la formation civile, option économie publique et industrielle, en 1982 et jusqu'en 1988, où il a obtenu son diplôme de licence. Le grand homme de Dieu que vous voyez debout devant vous aujourd'hui a suivi toutes les étapes de grade. Il a été sous-lieutenant depuis le 15 juillet 1989. Il a été lieutenant depuis le 26 juin 1993. Il a été capitaine depuis le 2 avril 2004. Major le 21 août 2004, lieutenant-colonel le 2 octobre 2006, colonel depuis le 1er juillet 2009. Et aujourd'hui, il est général de brigade après la série d'ordonnances signées récemment par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées. Il a occupé plusieurs fonctions au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous les présente des plus récentes aux plus anciennes. Actuellement, il est le commandant de l'école supérieure d'administration militaire, fonction qu'il a eue
quand il a été chef du département budget et finances à l'état-major administration, fonction qu'il a exercée depuis de 2015 jusqu'en 2022. Il a été conseiller du chef d'état-major en charge de l'administration des forces armées de la République démocratique du Congo de 2011 en 2015. Il a été le secrétaire de cabinet du ministère de la Défense nationale et anciens combattants de 2006 jusqu'au mois d'août 2007. Il a été secrétaire de cabinet adjoint au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Sa charmante épouse, maman générale et maman pasteur, est née le 15 mars 1957. Et ils ont contracté le mariage civil et religieux depuis le 20 mai 2006. Eu des enfants. Le précieux cadeau à son chéri. Nous profitons pour voilà. Moi, je veux que j'étais pour.
Papa, Pasteur, Elumba, Monga, Bikumba, j'ai que tombe la vie, non, pour y aller malade. Pour y aller, il y a une surprise, la vie, mais comme Zambé, Azali, Zambé, la surprise, voilà ce qu'il a fait dans la famille. Nabanzi, tomona kaye, na curieusement, teni oyo, nzambe a ebaka wuta kobota manaye. Parce que yalobi, rien ne peut se faire sur cette terre, ce qui yalobi te dit amen. Amen. Nzama pima. Concrétisation et ramener au sol dans la rencontre. D'être au terrain armé, but mon roi est à la queue. Bah non, il faut la commande générale. On est au côté un peu l'église de rêver, l'église évangélique. Ou avec quelque part, au moment la kenga, il faut la commande pasteur. Alors, à nous, bah pour ça, on a gagné au sol. Et pour qui ça nous? Néné. Amen. 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 Amen.